Bandage médical. Comment ça, je peux en faire qu'un? Manque de bandages. Laisse-moi faire des bandages. Du coup, il est où l'établi? Normalement, on peut le faire. Oh, établi. 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 On fabrique. Vous viendrez autour de la base ou vous resterez là? Alors, techniquement, on devrait venir. Par contre, je ne sais pas quand, mais on devrait venir. Je sais pas quand, mais on va venir. En théorie. Tout va bien? On devrait venir. Bacon. On a du bacon, Zad. Est-ce que vous avez du bacon, vous, là-bas? Tu vas me dire oui, je le sais, mais bon. On avance comme on peut, hein. On avance un petit peu à notre rythme. Eh, je fais plein de bandages médicaux. Mais on a plein d'eau en plus. Notre cuistot préfère taper plus que de faire à manger. Ah! Ah, voilà. Ah, de mon côté, je t'assure qu'on fait à manger. Moi, je suis la cuistot du groupe. Pagis, c'est le crafteur d'armes et d'armures. C'est pas de ce côté-là. Du coup, peut-être que c'est pour ça que tu veux qu'on vienne, Zad. Tu veux récupérer le cuistot? Regarde, je fais même mes plantations. T'as vu ça? Avec l'aloe vera. Nous, on fait tout bien ici. Le maïs, la totale. On travaille. Moi, je suis une bonne cuistot. En vrai, dans Seven Days, je fais tout le temps la cuistot. J'aime bien. Cuistot et graines. Ça me convient parfaitement. J'aime bien. J'ai plus de graines. J'ai pas assez de bouquins pour les graines. On referme. Oh, il va être 21 h, je crois. On va rester à la maison. Ah, moi, la nuit, j'aime pas trop sortir quand même. La nuit, c'est dangereux. Niveau bandage. Je vais faire un peu plus de pommade d'aloe vera. De toute façon, on est d'accord que je ne veux pas faire des graines d'aloe vera. Non, c'est verrouillé, donc autant faire ça, les bandages simples, on en a encore. Va falloir du tissu, par contre. Il va nous falloir du tissu. Qu'est-ce qu'on peut faire sinon de bon à manger? Je peux faire les tartes aux myrtilles. Myrtilles, œufs, farine, graisse. Il en faut des choses. Je peux même faire les tartes aux citrouilles. Ah, je commence à être plutôt pas mal en termes de cuisine. Petit à petit, ça vient. D'ailleurs, pourquoi je peux pas faire plus d'œufs et bacon? On a plus d'œufs! On a plus d'œufs. Faut récupérer plus d'œufs. Et on pourra faire plus de bacon. En vrai, je vais poser les patates. Et je vais garder Je vais complètement garder le bacon. J'ai le droit, c'est moi qui l'ai fait. Et pas juste, il est pas là. Donc je garde le bacon. Tu peux faire un établi normalement? Ah non, il est toujours en cours de craft. Ah, j'avais pas vu. Je voulais dire, il est passé où mon établi là? J'étais pas censée faire un établi? Ok. Toujours en cours. Ça, je vais en garder une sur moi, je vais poser l'autre. J'avais pas. S'il est là, mon fusil. Mon fusil! J'ai 2 balles! Incroyable, on va aller loin avec ça.
Je dois en avoir quelque part qui traîne des balles. Voilà, comme ça c'est mieux. Oh, c'est une balle par une balle. Oh, ça c'est moche. C'est moche. C'est pas grave, mais c'est moche. Ok. Ouais, il fait nuit. Moi, sortir de nuit, je suis pas très fan. Clairement, je vais pas vous mentir. La nuit, c'est dangereux. La nuit, on meurt. La nuit, c'est pas bien. Donc, on va attendre une petite minute, le temps que notre établi se finisse de se crafter. On va le poser, puis on va faire je ne sais pas quoi avec. D'ailleurs, la forge, si on n'a plus rien à y faire, on va la désactiver. Ouais. Ça ne sert à rien de la faire tourner pour rien. Ok. Ça, on va poser. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Y a quoi que je peux ranger encore? Graine d'aloe vera, j'en ai qu'une. On va la ranger. On la plantera plus tard. Là-dedans, ça dit quoi? Ça se crafte toujours. C'est long. Mon établi, 7 secondes. Allez, l'établi, l'établi, l'établi. Voilà. Un très bel établi. On va le mettre dans la chambre là-bas. Je sais pas encore comment est-ce qu'on va organiser tout ça, mais... Après, si on déménage en plus, ça va être... Ça va être compliqué. Ok, je crois on va faire le ménage là-dedans. J'ai raté quelque chose d'important? Non, on vient de faire l'établi. On fait à manger, on fait... Voilà, quoi. Les petits trucs qui sont nécessaires. De toute façon, il fait nuit. Et la nuit, ça fait peur. Non, je gueule pas, la nuit, ça fait peur. Avec le chat, je vois rien à ce qui est marqué. Échelle, ouais. Normalement, on peut faire tout plein de nouvelles choses, non? On va rien faire du tout, c'est ça? Vieille lanterne. Oh, il faut du pétrole. Non, mais niveau armes, il n'y a pas des nouvelles choses normalement qu'on peut faire avec l'établi? Après, c'est peut-être pas Gis qui peut faire de nouvelles choses. Mais on peut faire des munitions! C'est peut-être plus pas Gis en fait qui va s'en servir de l'établi, non? Lampe torche. Ah, tout ça, j'ai pas débloqué. C'est pas Gis qui débloque tout ce qui est craft. Bandage médical, je peux encore en faire? Fabrique des bandages médicales. Ah, 4-4. La mini moto! Non, on n'a pas de guidon, on n'a pas de roue non plus, on n'a pas tout ça, c'est dommage. J'aimerais bien faire mini moto et tout, moi. Châssis de bicyclette, hein, on pourrait apprendre à le faire. C'est dommage! Ah, je peux faire ce truc-là! Ça coûte cher? Oh, je crois qu'on verra un petit peu à tout ça plus tard. Ah, là, Pagis, il devrait pouvoir faire du stuff avec tout ça, non? Enfin, là, il devrait pouvoir nous faire du nouveau stuff. En vrai. Je pense, hein. Je peux faire des super maïs. Waouh, on peut faire des boîtes aux lettres! Je pense très très utile, mais... Faire des chaises et des pierres détruites. Faire des canapés. Oh, oh la lanterne. Pas mal, hein. On peut se faire des lits. En vrai, niveau décoration, ameublement, je pense qu'on pourra faire des trucs sympas. Hein. On pourra essayer de se faire un joli truc. Pourquoi mes bandages, ils sont là? Ok.
Ok. On a tout plein de bandages médicaux. Je vais en garder juste 5, ça sera suffisant. Et ça, on va poser. Ça, on va poser. Et tout le reste, on va globalement garder. Il n'y a pas moyen que je me fasse des flèches. Peut-être de flèches en fer. Moyen que je me fasse des flèches en fer plutôt que mes flèches en pierre. Parce que je veux pas trop utiliser flèche en fer. Des têtes de flèches, du bois et des plumes. On a encore des plumes. Pourquoi pas de plumes? Vous voyez des plumes? J'en ai un petit peu des flèches en pied, en fer. Il y en a. Faut faire les nids, hein. En vrai, les nids, c'est super important. Faut pas hésiter à faire les nids. Ouais, on n'a pas de plumes. Donc ça, on peut le poser. T'as de quoi faire le vélo? Non, j'ai pas, malheureusement. Malheureusement, on n'a pas ce qu'il faut pour faire un vélo. Il nous manque le... Enfin, il nous manque tout, en fait. Clairement, je crois qu'il manque absolument tout. C'est bicyclette, hein. Ouais, les roues, on n'a pas. Le châssis de bicyclette, on n'a pas. Le guidon de bicyclette, on n'a pas. On a les pièces mécaniques. Donc, non. On n'a pas ce qu'il faut. Ouais, peut-être que ça se craft, hein, non? Si on les trouve pas. Les roues. Ça se craft pas, des roues? Si, ça se craft. Mais je sais pas les crafter. Véhicule. Ah, je suis à 3 sur 5 sur véhicule. En vrai, il y aura peut-être moyen, hein. Il y aurait peut-être moyen qu'on arrive à crafter ce qui nous manque, du coup, pour faire le vélo. Dans le cas où... où je trouve les bouquins. Vraiment, j'ai pas envie de sortir de nuit. Je suis désolée, je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant de rester à la maison. Mais j'ai pas envie de sortir de nuit. La nuit, ça fait peur. La nuit, on meurt. Regardez, il y a Zad et Khaled qui sont là. Et oups, qui sont encore plus au nord. On pourrait essayer d'aller voir jusque chez eux. Hein. Peut-être faire du repérage là-bas. Sinon, il y a peut-être moyen de faire des pics aussi. J'avais pas du bois. Ah si, j'ai du bois. Du coup, on a une porte, je crois, qui a été cassée, donc on va en refaire une. Et on va faire des puits en bois. Je suis dans une mine avec l'Orthane. Eh ben, il y en a, ils s'amusent bien. Ouais, la nuit, en vrai, c'est compliqué. On va pas se mentir, la nuit. Eh, j'ai pas des points à mettre, moi. J'ai un point à mettre. Vous sentez un peu mieux qu'avant. Vos coups à la tête infligent 2 centimes de dégâts et vous gagnez 10% de chance de démembrer avec les points. Et les mitrailleuses. Ouais. Vous avez peut-être la peau sur les os. Beaucoup à la tête inflige 210 dégâts et vous gagnez 10% de chance de démembrer avec un fusil à pompe. Les massues, les masses et les outils régis par brouillé vers l'or. Ah, 10% de chance de démembrer avec les matraques électriques et les tourelles robotiques. Eh ben. Vous gagnez 10% de chance de démembrer avec les fusils, les explosifs, les lances et les outils réagis par opération de récupération. En vrai, on est d'accord qu'il faut que je mette des points là-dedans pour pouvoir débloquer le reste de ce qu'il y a là. Parce que là, le chanceux, on est d'accord que s'il est bloqué. Je crois qu'il faut que je monte le niveau là, hein, pour pouvoir débloquer ça. Si je me trompe pas. Mmh, 210% de dégâts et vous gagnez 10% de chance de démembrer avec les arcs, les armes de poing et les couteaux.
Je sais pas quoi prendre. On n'a qu'un seul petit point. On va mettre dans la force parce que je voudrais récupérer la mule. Donc on va mettre dans la force. De toute façon, les massues, et c'est ce que j'utilise, une masse. Les masses et les outils réagissent. Ouais, vas-y. Voilà, et là maintenant, je peux débloquer le niveau 2 de... Ok, ouais, c'est bien ce qui me semblait. De la mule. Donc ouais, il faut bien prendre les niveaux ici, quand même. Avorton. Avorton! C'est qui, l'avorton? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a fait un petit peu de pique. Ouais, si on va juste à l'entrée, ça va, on risque rien à l'entrée de chez nous. Y a pas de méchants ici. C'est pas par ici. On va aller du côté où ils ont cassé la porte. C'est pas par là. On va réparer la porte. On va mettre un petit peu des piques tout autour. C'est là qu'ils ont cassé la porte. Cette bande de sauvages! Voilà. Je vais essayer d'entourer petit à petit tout le domaine comme ça avec des pics. T'as pas l'impression de vouloir de pas te mettre correctement, toi. Voilà. Ouais. Ouais, je veux voir Pagis se prendre les pieds dedans. Mais non, t'inquiète, c'est un professionnel. Pagis, jamais il se prendra les pieds dedans. Voyons, voyons. Récupérons de l'eau. L'eau, c'est bien. L'eau, c'est la vie. Ouais, lui, je crois que j'ai trop mal placé. Tu devrais construire une base à raid loin de ta base actuelle. Alors, à ce niveau-là, si vous voulez, pour faire simple, techniquement, on devrait rejoindre Carlette et Zad, qui sont à peu près à ce niveau-là. Je pense qu'ils sont chez eux. Je suis pas sûre. Et en fait, c'est là-bas qu'on fait une base anti-raid, anti-horde, justement. Anti-lune de sang. Pour tout le monde. Donc l'idée, c'est qu'à la lune de sang, tout le monde se rejoigne là-bas. Et ça tape. Le truc, c'est que c'est assez loin de chez nous, quand même. Et c'est pour ça qu'il nous faudrait des vélos. Voire des bicyclettes. Voire des motos, voire des 4x4. Je sais pas. Ou alors déménager, effectivement, du côté de chez Zad et Carlette, par là-bas. Donc voilà, le truc c'est qu'on a spawn quand même assez loin, donc c'est tout de suite un petit peu compliqué, quoi. Tout est toujours compliqué. Tout est toujours beaucoup trop compliqué. C'est compliqué. C'est la base anti-lune rouge, tout à fait, ouais. Donc en vrai c'est une base commune où tout le monde va mettre un petit peu la main à la pâte pour faire ça. D'ailleurs, techniquement, je peux pas voir à combien de kilomètres ils sont, là, Carlette et Zad. Zad. Ouais, 1000 mètres, quand même, ça fait loin. Il me dit, c'est pas loin, mais en vrai, ça fait loin. La bibliothèque est déjà beaucoup pour l'instant, alors ne pense pas autant véhicules pour l'instant. Bah ouais, mais c'est quand même pratique. C'est quand même super pratique. Carlette, elle est venue nous rendre visite en vélo. Ah oui? Madame a un vélo. Bicyclette. Bicyclette, bicyclette. Bon, il va être 3h du mat, on va pouvoir y aller là. Moi, j'ai une mission à faire. Après, si on a un petit peu de chance en faisant des quêtes, il va nous donner un vélo. Une bicyclette. Comme on veut. Parce que je crois que Carlette, elle a eu comme ça. Elle l'a eu dans une quête, hein, sa bicyclette. Pas bibliothèque, je voulais dire bicyclette. Ah oui, d'accord.
Oui, la bicyclette est déjà beaucoup pour l'instant. Alors, on ne pense pas à d'autres véhicules pour l'instant. Ouais. Ouais. Mais on a vu qu'on pouvait faire un 4x4. Je veux tout tout de suite. Je ne suis pas patiente. Je veux tout. D'ailleurs, ce truc-là, je sais pas comment ça fonctionne. Ça s'utilise ou comment ça se passe? Je sais pas si c'est une bonne idée. Allez, on va la lire. Si tu lis ce message, c'est que le pire est arrivé et que je n'ai probablement pas survécu. Ah, ça c'est dommage. Plutôt que de gaspiller toutes mes réserves, je voudrais que tu en utilises une. L'emplacement est indiqué sur cette carte. Bonne chance. Trouver le trésor. Il est à 1 km de... Il est où? C'est loin! Bicyclette. Bicyclette. On va essayer d'aller chercher ce trésor. J'ai une pelle? J'ai une pelle, tout va bien. J'ai à manger, j'ai à boire, encore plus à boire. J'ai un pistolet, j'ai un fusil, j'ai des munitions, j'ai un arc. Faudrait que je répare mon arc. Réparation de l'arc. Réparer aussi la matraque. Ça, il me faut du tuyau. Ok. Bon, 3h48, ça va, allez, ça va. On va y aller. En avant, les amis, allons trouver le trésor de... Je sais pas qui, c'était qui d'ailleurs. Un bois qui. Après, ok, il est mort. Donc... Est-ce que ça a une grande importance de savoir qui il était? Ce qui nous importe, c'est qu'on veut son trésor. Et que c'est super méga loin. Ah! Pourquoi faut toujours que ce soit loin? Ah, ni! Ah, ça, par contre, faut récupérer. On n'a plus d'œufs! Il nous faut tout plein d'œufs pour faire des. Du bacon! Des œufs avec du bacon! On a la viande, mais on n'a pas le bacon! Il faut le bacon. Par contre, en vrai, Seven Days to Die, il a un énorme défaut quand même. Vraiment, c'est un très gros défaut. C'est que, en fait, on peut pas faire des cookies. Voilà. Dans les recettes, il n'y a pas les cookies. Et ça, c'est un très très gros défaut. Je suis désolée, mais... Tous les jeux où on peut pas crafter de cookies, c'est un très gros défaut. Je suis sûre que vous vous attendiez à ce que je révèle un truc de fou. Un truc où vous vous dites, ah ouais, c'est vrai, elle a totalement raison. Suis sûre que vous y pensiez. Mais les cookies, c'est important! Ça remonte le moral, hein! À peine on prend des œufs. Bonjour, monsieur! Ouais, non, mais on est loin de notre objectif. On va laisser ces messieurs dames tranquilles. Moi, je m'arrête que pour les nids. Tu m'en es quand même loin. Nid! Parce qu'on n'a plus de plumes. On n'a plus d'œufs. On est encore à 500 mètres. Les cookies, c'est pour ceux qui le desservent, pas plus. Ah! Ouais. Oups! F. Imagine quand il va se connecter, il va être content, il va voir. Ouais, c'est un camp militaire, ça. Attention, il y a des mines autour de ces trucs-là, non? Si on marche sur une mine, ça sera pas cool. Non, c'est du coton. J'ai cru que c'était un nid. J'étais obligée d'être aussi loin.
genre vraiment obligé d'être aussi loin? Je suis sûr qu'il y a encore personne qui est venu jusqu'ici. J'espère qu'en tout cas que Pungis, quand il viendra, il verra qu'il aura des bons petits œufs bacon et qu'il sera super content. Nous, on fait de la bonne cuisine, nous, chez nous. Il est où? Mais on le voit pas! Reviens! Il est impossible à choper, ce lapin! Je l'ai perdu. C'était nécessaire, c'était pour la viande, pour faire le bacon. Ah, rip le lapin. Il a pris la fuite. Bon, en même temps, j'essaye de le faire à la matraque. C'est pas ce qu'il y a de plus... opti non plus. Une petite balle de fusil, je pense qu'il serait mort, mais bon. Écoutez, c'est comme ça. Ok, on devrait bientôt être arrivé. Ok, on est arrivé. Bon, je sens qu'il va falloir creuser et qu'on va se faire attaquer. Eh ben écoutez, on va creuser. Hein. Puisqu'il faut creuser. On aurait dû le faire à l'arc. Ouais, mais en vrai... Je ne pense pas être en mesure de toucher un lapin avec l'arc. Clairement. On va pas se mentir. Ouais, j'ai aucune info de là où il est, en fait, ce truc. J'ai pas trop d'infos. Cherche et tu trouveras. Oh, merci du conseil. Ça va, c'est le matin, on a toute la journée pour le trouver. Il ne faut jamais dire jamais, mais ça dans la tête, dans ta tête. D'accord, je mets ça dans ma tête, je ne jadis jamais, jamais. Creuse et tu te rapprocheras. Merci Xena pour les conseils, franchement. Qu'est-ce que je ferais pas sans vous, hein, franchement. Sans vos conseils, je crois que j'y arriverai pas. En plus, j'ai pas une pelle... des plus optimisés. Il se resserre pas le rond, non? Peut-être au pied de l'arbre, hein? Je sais pas, hein? Ça se trouve, il est super profond aussi. J'en ai aucune idée. J'ai jamais fait de carte au trésor, moi. Bah écoutez, ça nous fera de l'argile. Faut voir toujours le bon côté des choses. Ça nous fera de l'argile. Ah, je me rapproche du trésor. Attendez, parce que quand on dit ça, généralement, on se fait attaquer. Hein. Quand on a un message comme ça, vous vous rapprochez du trésor. Miaou. Donc a priori, ça serait par là, si on se rapproche du trésor par là. Si vous entendez un truc qui grogne, n'hésitez pas à crier. J'ai soif. Ah bah. C'est la petite pause boisson. Parce que il paraît qu'on se rapproche du trésor. Il paraît, hein. Je suis pas tout à fait sûre.
Mais il paraîtrait. Vous avez l'impression que je me rapproche, moi? J'ai un peu des doutes, hein. Et on creuse. Et on creuse. C'est ainsi qu'on creuse. Sous la terre. À la recherche du trésor. Le trésor qui a intérêt d'être incroyable. Est-ce que j'ai de quoi réparer ma pelle incroyable? Ma super pelle de compétition. Et il s'est pas un peu moqué de moi le jour en me disant que je me rapprochais? J'en étais sûre. J'en reviens pas, je préférerais le tuer quand même. Viens là! Mais comment c'est possible que je le touche pas? Mais c'est fini, ouais! T'as fini un petit peu de me taper? Ouais, il est violent! Tu peux pas faire une pelle niveau 2 ou 3? Alors là! Alors là! Si je pouvais! Bah, ça serait bien! Mais vu que j'ai donné absolument tous les plans de craft à Pagis, techniquement, si quelqu'un peut faire ça, c'est lui! Bon, il paraît que je m'en rapproche encore. Il paraîtrait que je me rapproche du trésor. Il paraît, hein. Vous avez l'impression que je m'en rapproche, moi? Non? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je pense que le jeu, il ment peut-être un petit peu. Ça, en plus, c'est de la pierre, hein. Ça se trouve, il est pas si profond que ça et je suis en train de passer au-dessus. On va faire un cratère. Un jour, il y a quelqu'un qui va passer par là et va se dire « What ?» Je suis vraiment en train de faire un tunnel. Mais vraiment. Je ne suis plus une Eneko, je suis un lapin. Vous vous rapprochez du trésor. Ok. On va voir quand même si on n'a pas de la compagnie dehors. Bon, apparemment ça va. Le cercle semble quand même se rétrécir. Je ne vois toujours pas de trésor, mais le cercle semble se rétrécir. En vrai, je me demande s'il serait pas au-dessus de moi. Hein. Je me demande si j'ai pas creusé un peu trop profond quand même, non? Ça va un peu plus à droite, puis en ligne droite. Ça se trouve, il est sous l'arbre.
Allez! Allons-nous trouver un jour ce trésor? S'il y a que des trucs nuls, par contre, je râle, hein. Parce que vu que le temps qu'on a passé dessus. Ouais, défi, collecter de l'argile est terminé. On a tout plein d'argile. Le v'là. Incroyable, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Plus, faut que j'utilise mes outils de crochetage pour l'ouvrir. C'est une blague. C'est bon, j'ai pu l'ouvrir. Des pépites d'or. Ok. J'avoue, je suis un peu déçue. Je m'attendais à une moto, moi. Au moins la moto. On l'a trouvé, écoutez, c'est le principal. C'est une victoire! Ceci est une victoire. Nous avons trouvé l'incroyable trésor enterré. Et bien enterré. En fait, j'étais pas du tout... je pensais que j'étais trop enterré, mais pas du tout. Hein. On était bien au niveau de la profondeur. Hein. Même peut-être même pas assez enterré en profondeur. Bon, maintenant, on va aller faire notre quête, non? Carte au trésor, ok. Alors, Saphira, avec tout mon respect, si tu deviens une chasseuse au trésor un jour, tu seras la pire d'entre eux. Ah, c'est pas faux. J'avoue. On va éviter de partir dans cette voie-là. Je ne vais pas devenir chasseuse de trésors. Je pense que c'est pas une très bonne idée. Je pense pas que ce soit une très bonne voie pour moi. C'est pas trop un bon objectif de carrière, ça. Ah, mais s'il y a quelqu'un qui passe par là, un de ces quatre, je me dis trop qu'il va se demander c'est quoi ce cratère, là. J'ai fait un cratère. Il va se dire, mais il y a une bombe qui a explosé ici, ou comment ça se passe? C'est sûr, hein. C'est sûr, hein. Surtout, on dira que c'est pas moi. Pas ma faute, moi. Je n'ai rien fait, je suis innocente. Moi, je ne cherche que des œufs, c'est tout. Je suis là pour les œufs. Aïe, aïe. Eh ben. Ibi. En vrai, je crois que ça a pris au moins 20 minutes, là, le trésor, non? Mentez pas, hein. Je suis sûr que ça a pris au moins 20 minutes. C'était loin, en vrai. Mais au moins, on se fait pas attaquer par des zombies, ça, c'est bien. J'ai cru voir un truc bouger. Je me suis dit, c'est peut-être un lapin, mais... Bien sûr, très innocente, bien sûr, bien évidemment. Surtout quand les gens auront les véhicules. Genre le 4x4, tu vois. Le mec, il est tranquille en train de rouler en 4x4 dans la forêt. Et là, boum! Il se crache dans le trou. Vous imaginez la scène ou quoi? Et en plus, il me semble que les véhicules, ils peuvent prendre des dégâts avec ce genre de choses. Du coup, ça fait boum! Il a plus de vie et le machin, il explose. Oh! Véhicule! Je crois qu'il m'en manque un et on pourra faire les roues. Oula, hein. On va faire les roues de il pleut 4x4. C'est un peu ça. Elle est où ma quête? Elle est là-bas. Attendez, pourquoi elle est pas... Fiche-la moi sur la boussole. Ah bah on est quasiment arrivé. Ça a l'air d'être un bâtiment compliqué, ça. On va mourir là-dedans, non?